Bonjour à tous les gamers, donc on se retrouve sur Dragon Age Inquisition avec Jesse Gaming. Donc la dernière fois on s'était laissé là, sur... j'en avais chier, bon on était sur Pyrochip, vous voulez laisser. Mais bon, ça valait le coup. Donc voilà, on s'était laissé là, et en fait il fallait qu'on aille prendre notre revanche sur les apostates qui sont là-bas. Bah écoutez, c'est parti hein. Voilà. Oui mon garçon, oui, t'es content de trouver les gamers aussi. Là je suis en mode à la foutre. Voilà. Alors du coup c'était là il me semble. C'est ça. Oula, bonjour, je repars. Avec le swag. Hop. Alors du coup, il y en a combien là-dedans? Alors, toi tu vas prendre lui par exemple, toi tu vas prendre lui, et toi tu vas prendre... Bon bah écoute, on va prendre les deux mêmes. Comme d'habitude, de toute manière... C'est super dur, je trouve, à buter les mages, leur système là, de machin. Avec leur trappe machin, je pourrais enlever ça, mais... Allez mon garçon, t'es presque mort là, viens pas chez le monde. Allez, tu penses que t'as un problème, c'est pareil. Tu vas faire chier que t'as plus de vie, non mais franchement, c'est pas abusé ça. Ah la Cassandra, comment elle arrive, elle est en mode dégage. Touche pas ma pote. Voilà. Je crois que c'est bon. Non. Ah non, même pas. Autant pour là. C'est bon. Et toi, comment ça se passe? On va neutraliser les apostates. Mais sous les apostates. Il n'y a plus d'apostates. Là. En même temps, ça va, c'est une grotte. Donc, du coup, on va prendre toi. Je ne sais plus lequel que t'as comme bouclier. Elle est tout avec le swag en plus. Bien. Voilà. Une potion et une potion. Voilà. Il y en a beaucoup ou pas là-dedans? Eh, elles ont l'air nombreux quand même. Hein. Mage rebelle. Okay. C'est quoi ce gros truc là? Oh putain, je crois. Oh putain, oh putain. C'est pas là. Par contre, t'es sûr que c'est celui-là que je vais donner à... Merde. Attendez. Attendez, il y a un petit problème là. Je crois pas que c'est lui que je vais donner comme bâton, ce qui me semble que c'est un bâton de feu.
Y a pas. Putain, y a pas de coin en coin, c'est triste quand même. Ouais, bon, bah, je vais partir par là. D'accord, c'est un grand nom établi, c'est ça? C'est ça, bon. Les camps sont pas à côté en plus. Je vais prendre là. Voilà. Je vais prendre là. De toute façon, là, je peux pas aller au combat, hein, clairement. Clairement, c'est pas possible. Donc, on va partir. Donc, c'est bon. Tout le monde s'est reposé, c'est pas. Vous êtes prêts à partir au combat? Bon. Du coup. Rien à signaler, noble dame. Ouais. Du coup, carte des quêtes. Du coup, là, je vais prendre à droite, je vais débloquer le camp là-bas. Ça va être beaucoup mieux, je pense. Même pas forcément pour maintenant, mais même pour la suite. Voilà. Allez, c'est parti. Et après, on va retourner voir les apostates. Oh là 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 là, c'est terrible ça quand même. Tu peux pas sauter là non plus. Bon, bah on va prendre la route, c'est pas grave. Oh là 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 là, c'est quand même fabuleux ça. Ok, il y a des routes, ok, il y a des chemins, bon, et alors? Parce qu'il y a des chemins qu'il faut forcément les prendre. Allez. On se souvient tous de quoi on était passé par là déjà une fois. Et que du coup, je vais pouvoir... Je vais pouvoir faire un peu de vente du coup en fait. Bien, vous savez. Ça pourrait tout de même être très bien. Pouvoir reprendre les affaires. Vendre. Alors, vendre. Merde. Vendre, vendre, vendre. Je suis là. Vendre. Pour point d'éclaireur. Pour point de défenseur. Je vais mettre tout, je pense. Les arcs, de toute façon, personne n'en prend d'arc, c'est triste, mais c'est réel. Actuellement, t'as quoi? J'allais à deux comme ça. Équipé donc de du capitaine Ferreldin. Âge d'écumeur, on en a deux, c'est pareil. Âge de combat robuste. Glaive, c'est celle que j'ai moi. Non, même pas. Bouclier éclatant, on a deux. Ça dégage. Bon, on peut dégager deux. Déclat. Cassandra. En fait, je pense pas que ce qu'on a, ce qu'on porte là, on doit l'avoir. Je pense que c'est vraiment tout ce qu'on a, tout ce qu'on n'a pas. Tout ce qu'on n'a pas mis, en fait. Lame de corbeau, arc de l'enflamme, tir, fallait la dire. Bâton de foudre, bâton de feu, bouclier d'éclat, épée longue. Ok. Capuchon elfique, c'est bon. Casque des marches libres, à voir. Pour point de défenseur, casque de garde, code de maille, défenseur, mur léger aventurier. Ah bah celle-là, je vais peut-être pouvoir la vendre aussi. Hein. Elle est belle, mais bon, ça sert pas à grand-chose. Examiner. Tu as des capacités, ok. Ok. Chemin d'armes, d'armure, cette autre. Objet de valeur. Objet de valeur, à mon avis, c'est la dissertation juste à vendre. Hein. Voilà, tout vendre. Tac.
Bon, je pense que c'est tout. Ça peut pas être... par contre, si je voulais voir ce que tu vendais, du coup. Je voulais voir ce que tu vendais. Du coup. Pour moi, ce serait des glaives. Dagger, ouais. Ah, là, c'est tout. Là, c'est tout, tout, tout ce que tu veux à vendre. Non, c'est que les armes, excusez-moi. Pouf! Donc, Solace, un bâton de feu, bâton de foudre. Ok. Cassandra. Cassandra, Cassandra, il n'y a rien pour toi. Varika, il n'y a rien pour toi non plus. Ok, rien à vendre. Poignée résistante de Bianca. Bien. Mais on l'a ça, là, son arc de Bianca. Bon, on va prendre ça. Matériau de fabrication, objet de valeur, chemin d'armes, d'armure. Recette de grenades de feu. Vas-y, on va la prendre. Du coup, inventaire, arme, bouclier d'éclat, je vais prendre ça, acheter cumeur, on s'en fout du coup. Celui-là. Donc en fait, un bâton de froid, un bâton de feu, un bâton de feu et un bâton d'électricité. Ok. Du coup, moi j'aimerais bien avoir lui, Bianca. Ensuite, armure. Du coup, armure, j'ai un casque qui a en plus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. 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 Ouais, bon. Schéma d'armes. Bâton d'apostate. Équilibré, acte de Bianca. Arc de Bianca, il a déjà été amélioré en fait. En fait, on ne peut pas les améliorer comme ça. Son archive personnelle. C'est un petit moment qu'on n'a pas été voir. Ouais. Ok. Ok, ok. Donc après, il ne restera plus qu'un camp à faire après. Après celui qu'on fait actuellement. Hein. Enfin, qu'on va actuellement. Hop là. Yep. Bonjour. Charmant, charmante, demoiselle charmante. Merde. Quand vous droitez, vous présentez ce style, il bloque la route. Que attention, bandit droit devant, vous présentez ce style, il bloque la route. Parlez-moi d'eux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ces assaillants sur la route? Plusieurs groupes, quelques archers. Ils ont de meilleures armures que la moyenne. Ils sont trop nombreux pour nous. Si vous y allez, ne vous faites pas prendre à revers. Ils ne font pas de prisonniers. Vous ne pensez pas que ce sont des bandits? Les bandits attendent que les voyageurs soient vulnérables. Ils s'attaquent en un éclair et personne n'en réchappe. Cela se montre beaucoup trop tôt. Plutôt que de détrousser les gens, ils veulent surtout les éloigner.
Soit ils sont bêtes, soit ce ne sont pas de simples bandits. Et ils sont trop armés pour être bêtes. Merci. Ok, bon, ben on fait quoi? On y va quand même? Ouais, sans c'est devenu une quête, donc de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. En gros, c'est même pas un truc du genre n'y allez pas, c'est un truc plus. Bah écoute, vas-y, va faire la balle ménage. C'est con. Allez, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Bandits en vue! Eh ben, je les vois, hein, merci, je suis pas non plus aveugle, Cassandra, hein, s'il te plaît. Bon. Alors, hop. Oh putain. Hop. Et. Hop. D'après mes recherches, il est possible que les anciens elfes aient pu placer des protections en soi. Si nous parvenons à trouver les artefacts qu'ils utilisaient, nous pourrions empêcher l'apparition de nouvelles déchirures dans la zone. Allez. Ah putain, comment ça, être que deux là? Ah, j'ai pas vu ça comme ça, moi. Ah, tu prends une potion, d'accord. Ok. Vas-y, fais ta life. Je vais ranimer Cassandra derrière ton dos. Voilà. Ah, tu l'as pas vu venir, mon garçon, celui-là. Voilà. Et du coup, il ne reste plus qu'un. Allez. Elle est où, connasse, là? Elle est la connasse de merde qui se cache dans les bouteilles. Et voilà, opération. Je doute qu'on soit débarrassé d'eux. Opération réussie. Vous pouvez les ranimer à notre ami, s'il vous plaît, les gars. Je suis occupé là pour l'instant. Il n'y a pas un qui va y aller, quoi. C'est quoi ce gros bug en fait? On me dit qu'il est mort, mais en fait il est pas mort. Hein. C'est pas grave, on va faire avec. Hein. C'est pas. Il y a un truc là-bas. Est-ce que deux potions, forcément, comme d'hab? Voilà, c'est fait. C'est pesé. Bonjour? Il est bon de voir l'Inquisition aider les réfugiés. Visiblement, personne d'autre ne veut s'en charger. Ok. C'est tout ce que tu as à me dire? Oui. Ah là, le mort, hein, il est beau le mort. J'adore les bugs qu'il y a sur les jeux vidéo, c'est toujours très, très marrant. Je pourrais peut-être tenter ma chance. Et Fina a fait une belle... comment je pourrais dire ça? Une belle entravangue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une espèce de... Qu'est-ce que vous faites là? Ce n'est pas un feu ordinaire.
Le feu voilé est une source lumineuse spéciale que seuls les mages peuvent activer, mais que tout le monde peut transporter. Explorer le monde pour découvrir des runes, ou des... des ruines à mon avis, ou des dispositifs anciens qui ne fonctionnent qu'avec du feu voilé. Pour lâcher la torche de feu voilé que vous portez si vous... Vous lâcherez la torche de feu voilé que vous porterez si vous utilisez n'importe quelle technique de combat. J'en avais entendu parler, mais c'est la première fois que j'en vois. On appelle ça du feu voilé. C'est une forme de magie sympathique. Le souvenir d'une flamme qui brûle dans ce monde, à un endroit où le voile est fin. C'est bizarre un peu, mais... Hop. Merde, excusez-moi. Merde. En fait, lui, il peut pas attaquer, quoi. Clairement, c'est ça, quoi. Ah merde. Merde, mais j'ai vraiment envie de retourner là parce que même si ça n'a rien à voir avec ma quête de base, on va dire ça comme ça. Mais ça me titille de savoir quand même ce qu'il y a là-dedans, quoi, parce que c'est assez bizarre. Ah merde, je recommence là. C'est pas grave, c'est pas grave. On a 8 potions, on pourrait essayer vraiment de pas faire comme tout à l'heure. Moi je l'ai vu hein, le mec. Hein. Comment est-ce que tu viens en 4 toi maintenant? D'après mes recherches, il est possible que les anciens elfes aient pu placer des protections dans le coin. Si nous parvenons à trouver les artefacts qu'ils utilisaient, nous pourrions empêcher l'apparition de nouvelles déchirures dans la zone. C'est nouveau ça qu'il a fait Bianca. Je doute qu'on soit débarrassé d'eux. Attendez, je vais voir un truc là parce que... Varic. Arme. T'as pris la dague lestée. La dague lestée plutôt. Parce que par exemple, t'as mis les deux. Ouais. Ouais, ça continue à prendre Bianca, mon garçon. Franchement, je viens de te dire. Maintenant, on est habitué de voir vivre avec Bianca, donc autant que tu la gardes. Hein. Du coup, c'était par là, je crois. Et lui, il peut venir avec nous là-dedans? Je ne vous veux aucun mal. Je m'appelle Myris. À en juger par vos armes, vous êtes sur le point de combattre. Nous avons probablement un ennemi commun avec ces démons. Que faites-vous ici? Vous affrontez les démons toute seule? Affronter les démons, ça ne sert à rien. Il y en aura toujours d'autres. Et je n'ai pas le pouvoir de refermer les failles. En revanche, j'ai entendu parler d'artefacts qui réagissent au voile. Ils peuvent peut-être prévoir l'ouverture de nouvelles failles. Mais je ne m'attendais pas à autant de démons. À mon avis, nous ne sommes pas loin d'un de ces artefacts. Vous pourriez m'aider à le trouver? Oui, on va vous aider. Merci. Il ne devrait pas être très loin. Merci de m'avoir accompagnée. Je ne crois pas que je m'en serais sortie toute seule. T'es un peu en bug, non?
vous avez fait de la route, on y va. Allez, entendu. Je me suis dit, elle va pas bouger. Si, si, c'est bon. Alors, du coup, il nous faut notre garde sauvage. Oula. Oula, oula, oula. Tac, tac, tac. C'est pour ça que l'autre qu'on a aidé là, comment ça s'appelle, la supplémentaire, c'est pour ça qu'elle aussi elle nous aide à combattre. Hein. Et ben voilà, c'est elle là. Non, c'est pas elle, non, c'est Cassandra ça. Qu'est-ce que je suis con. Ce n'est pas un feu ordinaire. J'en avais entendu parler, mais c'est la première fois que j'en vois. On appelle ça du feu voilé. C'est une forme de magie sympathique. Le souvenir d'une flamme qui brûle dans ce monde. C'est pas que je n'aime pas mon garçon, mais on a des choses à faire. Hop. Hop. À un endroit où le voile est fin. Et oh oh oh, on m'attaque pas comme ça, moi. Mais il est c'est bon? Non, tout le monde est déjà mort. Tout le monde est déjà mort? Ah ouais, quand même. Ça t'évite, les mecs. Voilà. On a chié, mais. Une fois le cristal activé, il devrait réagir à la force du voile. Ok. Je ferai ça après. Oui. Les protections aident à renforcer le voile. La zone devrait être plus sûre pour les voyageurs maintenant. Voilà qui pourrait nous être utile. Il semblerait que les ancêtres aient laissé un petit quelque chose pour moi. Intéressant. Notre collaboration s'achève ici. Allez en paix, étrangère. Maladie. Maglam Divan. Vire la saline. Je. Vous avez peut-être raison. Voilà. Tenez. Mithal vous protège. Ouais, mais je fais quoi maintenant avec ça? Quelque chose, de toute façon, fait que j'ai ça. Les runes semblent réagir à la flamme de la torche. Les runes semblent réagir à la torche. Oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, je vais tout allumer. Tac, il doit y avoir un autre passé, je suppose. Il y a un coffre aussi. On est là-bas, voir. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, du coup, je vais remonter. Oh, il doit y avoir quelque chose à faire, de toute façon, ça c'est sûr. Je vais croire qu'il n'y a rien à faire. Surtout qu'on a une torche comme ça, donc ça ne va pas être pour rien. Je cherche. Un coffre, je l'ai pas vu tout à l'heure, tiens. Pas.
semble avoir vu quelque chose. Tu peux rien faire, toi. Quoi qu'en même temps. Ah, lâche la torche. J'ai une manière très précise de lâcher les torches. Prends-la, toi, la torche. Non ? Ah, bordel, il y a quelque chose à faire. Quoi, je sais pas. Mais après, je regardais dans mes journaux de quête. Il y a mis un bandit sur la route de l'Est. Apostate, ouais. Carte des chutes, tout, juste au retour. Rapporter trésor volé à la forteresse de l'Ouest. Ouais. C'est tout ce qu'il y a à faire, c'est bizarre, j'ai du mal à y croire. J'ai vraiment de mal à y croire, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave, je pense que je vais repartir comme ça, mais. Ah, je suis pas convaincu. Hein. Franchement, dites-moi par commentaire si vous savez, tout simplement. D'accord, dès que je sors, en fait, c'est ça. Et du coup, quand je ressors, je mets ça, ils me disent, je retourne là-bas. Ouais, je suis pas convaincue du tout. Pour moi, il y a quelque chose à faire, mais alors quoi? Je sais pas. Tout simplement, je sais pas. S'il vous plaît. Allez, Shina, Dev, tu prends une potion. Mais t'en vas pas comme ça! Oh putain, y'a du monde! Oh putain, y'a du monde! Oh putain! Lettre anonyme retrouvée sur un bandit. Je ne veux voir personne jouer les héros pendant cette opération. Nous sommes payés pour éloigner les curieux et dissuader les marchands d'emprunter la route de l'Est. Quand vous pensez que ça ne risque rien, laissez quelques victimes s'enfuir pour qu'elles puissent passer le mot. Quand c'est trop risqué, tuez tout le monde sans distinction. Ouais, c'est... Et la pauvre Cassandra, vous me la laissez toute seule comme une conne? Franchement, les gars, c'est vraiment pas cool. Eux ils sont partis tout seuls, normal. Je vais mettre quoi? Retrait. Vous ne m'avez jamais dit pourquoi vous m'aviez traîné jusqu'à Dars, chercheuse. Qu'est-ce que j'aurais pu dire à la divine que vous ne pouviez pas lui dire vous-même? C'est le poil au torse, ça en impose. Pardon? Je voulais qu'elle l'entende de la bouche de l'intéressé. Et puis, je savais qu'elle vous demanderait de nous aider. Aider l'Inquisition? Moi? C'est ridicule, je sais. Et pourtant, vous êtes là. Nous pourrions monter le camp ici. Thank you.
Oh putain, je sais quoi, j'interviens trop tard, putain, non. Et franchement, c'est vraiment des bâtards, les bandits. Ils se foutent vraiment là où ils foutent le campement et tout. Franchement, c'est trop abusé, je trouve. C'est trop, trop abusé. Allez, les gars. Allez, les gars, on a plus qu'à dégager les gens du camp pour prendre le camp. Simple, hein. Ouais, c'est ce qu'il me semble. Ouais. Je sais pas ce qui est le mieux, c'est vraiment de dégager tout le monde et ensuite s'occuper du gros bébé ou... Je sais pas. On n'a pas le gros bébé dans les pattes, elle est juste. Hop là. Oula putain, ça va où ça? Ok, je sais pas. Aucune idée. Aucune idée, à part que je suis toute seule. Ah, c'est cool les gars, vous revenez là en vie. J'ai eu peur. J'ai eu peur, mais c'est juste Cassandra. L'endroit paraît bien choisi pour monter le camp. T'es où toi, mon garçon? Hop là, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Attaquez ma cible, plutôt qu'à vous qui n'attaque pas. Yo. Yo, c'est bon. Il est où ce con? Il est là. Yes, ça! Ah putain, ça y est! La technique était bizarre, mais au moins on l'a eu. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Pas mal comme campement ici, je trouve. Au moins, on est tranquille. Alors, respecter la question. Grande tente. Hop là, sur les objets. Hop là. Voilà. Je vais reposer. Ah. Vous savez, tu me dis qu'il n'y a rien, maintenant il y a quelque chose, quoi, c'est ça? Noble dame, j'ai des nouvelles pour vous. Rapport. Qu'est-ce qu'il y a? Voyez par vous-même. Ok, donc en fait, tu fais autre chose. L'étude géologique des marches a été à plusieurs mains de l'université d'Orient ont demandé de sortir du minerai pour revenir. Ok, vas-y. Merde. Je suis pas chiant. Au rapport. Du nouveau pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pourrait valoir le coup. Ok. Ah, tapisserie en marche. Il a fait de la velouté et des gemmes décoratives. J'ai pas ça. J'ai pas ça. Se reposer. On vient de se reposer, donc ça ne sert à rien. Merde. Par contre, je vais fouiller du coup tout ce qu'il y a à fouiller. Hop. Il y a un truc à lire. Hop. Bon, on aura chier pour ce camp-là, mais au moins on y arrivait. Hein. Faut jamais baisser les bras dans la vie. Hop. Hein. Du fer. On prend. Bah, c'est
coup, après il y a un truc que ma recette a dû faire, je suppose. Ouais. Ok, donc ensuite, si je m'écarte, on se retrouve là. Et là, il y a une faille. Et bon, on va aller là. On va aller là. Ouais, c'est bon. Alors, du coup. Moi, je suis quand même allée savoir ce que c'est. Merde. Une elfidée royale. Tu peux me pousser, hein. Bon, hein. Allez, encore les bugs. La vallée de Dame Shaina. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Oula, je me sens mal cette affaire-là. Je me sens très très mal. Je vais faire juste la tête de mort là, et je vais me casser très vite. Très très vite. Il y en a 4. Il y en a un là. Ensuite. Il y en a un là. Ensuite 2. C'est quoi cette chose? Voilà, 3. D'accord, c'est bien ce qu'il me semblait. On est en train de se faire attaquer. Pendant que je faisais ça. Ouais, donc moi je me casse. Je me casse. Non, je me casse. Franchement, je me casse. Parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je me casse, quoi. Ah, écoute, je me casse. Oh non, rien à branler. Moi, je me barre. Non, rien à foutre. Tu peux me lancer des trucs. J'en ai rien à foutre de toi, quoi. Rien. Moi, je me refuse. Voilà. Non mais c'était quoi ce truc, franchement? Ah non, mais c'est quoi ce... Non. Moi je vais pas là, il est hors de question, je vais là. Hein. Hop, on joue en arrière, hop. Tac. Attendez, des bandits, j'en chie, vous imaginez les dragons? Franchement. Allez, hop, on court par là. On reste dans les... Faut que je peux faire ça. Dans les zones moins sensibles, ouais, c'est comme ça. Par là-bas. Tac. Allez, on va aller à l'endroit indiqué par le message. Route de Golaf. De golf à l'Oise. Alors, c'est quoi qu'il y a là? Ah, c'est cool, c'est un éclat. Enfin. Allez, on est parti. Ça, on peut faire. Il n'y a pas de problème, on sait faire, on peut faire, il n'y a aucun souci. Ah, franchement, tranquille. Putain, il s'attaque à mon cheval ou je rêve? Le chien, là, tu vas bien attaquer mon cheval? T'attaques pas mon cheval comme ça, toi? Et pour qui, hein? Fouiller.
Lettre trouvée sur le cadavre d'un Templier Coran. Au vu des hostilités actuelles, je crois que notre arrangement n'est plus satisfaisant. Vous êtes incapable de me verser des paiements, je n'ai aucun moyen de vous livrer de la marchandise. J'espère que lorsque cette situation fâcheuse sera résolue, nous pourrons répondre votre affaire, nos affaires. Bah, ils n'ont plus rien à répondre. Bon, il y a encore un truc là. Bon, bah, de toute façon, c'est la maison, à mon avis. Hop. 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 Vous savez, les trucs qui tremblent, comme d'habitude. Ouvrir. Une bouteille sur le mur. Alcool de Tedas, une liqueur forte que l'on brandit plus volontiers que l'on la sert. Peu subtile et indescriptible, on l'aime et ou on la déteste. Plus d'un franc buveur a été terrassé par la production de quelques bouilleurs de crues mal avisées. Ben voilà. C'est ça qu'on boit de l'alcool qu'on connaît pas. Hein. Des fois. C'est tout ce qu'il y a en fait. Bon, je vais fouiller le corps. Hop là. Ok, quête de sang. Ok, terminé. Est-ce qu'on est rendu avec tout ça? Je sais même plus où on est rendu. Allez, j'ai pas eu le temps de le finir tout à l'heure, en même temps, je vais pas retourner. Là, il y a une faille, on va aller la fermer vite fait. On est pas loin. Me dites pas que c'est la faille qu'on a essayé encore la dernière fois qu'on a pas réussi. Il ne me semble pas, mais. J'ai un doute en fait. Non, c'est. Alors, tac. Tac. Putain, il y a encore les grosses bêtes. Il y a encore les grosses bêtes. Et oh. On se calme, hein. Et c'est même pas que c'est chaud en fait à combattre, c'est que c'est chaud à trouver où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait en fait. C'est surtout ça. La faille elle est où et tout ça. Elle est là. Tiens un peu. Ouais. Non, casse-toi. Casse-toi. Non mais ça vous m'avez pris pourquoi là. Oh putain. Je suis très très mal. J'en suis très très consciente aussi. J'ai ramené notre ami Solace. Voilà. Putain, mais foutez-moi la paix, quoi, merde! Il reste plus que toi de vivre, mon garçon. Je sais pas si t'as l'intention, mais. Moi, je te le dis, entre nous et respecte-toi. Ah oh, putain, non. Putain, à chaque fois, je recommence trois fois pour y arriver, quoi. C'est fabuleux, ça, quand même. C'est fabuleux. Ah, je suis encore à fouiller le corps, hein. Ouais, ok. Et ça, j'ai toujours pas eu, ok. Alors là, le truc, c'est que je pourrais sauvegarder, en fait, on va dans les moments clés. Mais je sauvegarde pas pour une raison toute bête, entre guillemets. Une raison toute bête, c'est que si, mettons, j'ai un problème d'enregistrement et que je sauvegarde, et ben du coup, en fait, je suis obligée de recommencer quelque part tout le jeu. Pour y arriver quoi. Enfin, pour retourner où on était, qu'on s'est laissé la dernière fois. Donc c'est vrai que là-dessus, bah, je suis un peu. Et quoi là-haut ?
C'est toujours cette manière très à elle de monter. Hein. Un point, un fragment de mosaïque. Hein. Comment trouver ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, allez-y, mec. Hein, parce que là, je peux faire grand-chose, moi. Ah, moi je m'assure les mecs, allez, allez, vous débrouillez. J'aime pas quand c'est le bordel. Voilà, là on descend, nous, on va lui fermer la femme, on va perturber la femme. Je suis en pause dans les questions. Mais non, mais. Pourquoi ça fait toujours compliqué là où il n'y a pas de complications? Hop. Toi. Et toi, vous attaquez lui. Une potion si tu veux. Et tu réagis, je suis là. Toi, Shina, tu prends une potion. Et tu vas faire ça. C'est quoi cette taille de potion? S'il te plaît. S'il te plaît. Allez. Technique du crapaud. Putain, elle est mal foutue cette putain de faille, je trouve. Vous avez vu quelle est la faille? Enfin, franchement, avec les caméras, je la vois même pas, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Là, ça se garde où, en fait? Je suis perdu, là. Voilà. D'accord, la faille est là. La faille est là, et du coup, ça se garde un peu à l'arrache, quoi. Oh putain, la faille est revenue à son maximum. Ah ouais, non mais c'est bon, hein. On essaye une fois et puis c'est bon. On va recommencer comme ça. Ouais, allez, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave, là c'est... Ça fait chier, mais c'est pas grave. du coup, carte. Hein. Carte, c'est quoi ça? On va aller voir. On va aller voir. Alors, forcément, là-bas, c'est le machin. Non. Ouais. On va aller voir ailleurs ce qu'il y a. 13e apostate. Ne saluez les pas apostate. C'est quoi? Alors c'est vraiment de la bête.
Un dire, c'est quoi en fait ça? Forcément ils disent pas. Merde. C'est le visage. Point d'intérêt. Ok. Bon, on va aller là. On va aller là, les enfants. Parce que de toute façon, il n'y a pas de. Il n'y a pas de camp pas loin. Ouais, donc non. Je pense que je vais faire un truc, je vais aller au camp. Parce que là, partir comme ça, sans grand chose, on va faire ça. Le cheval là. Mon dada, il est là. Rien à signaler, noble dame. Oui, bah écoute, tu permets que je prenne un cheval au moins. Par contre, j'aimerais savoir ce que c'est en fait le saut que j'ai vu tout à l'heure, les deux flèches à moitié sur la barre là. Je crois que c'est pour. Enfin, je sais pas, je vais rien dire parce que je vais rien dire avec la connerie. En gros, c'est pour partir. La Dars. Ok, bon, je vais à la Dars. Je crois que Dars, c'est là où j'étais dans les premiers gameplay. Alors, Liliana, elle a de nombreux noms. La plupart des gens l'appellent Sœur Liliana ou le Rossi. Ok, c'est bien, ils mettent un truc pour lire en fait quand t'es en train de changement. Mais en fait, tu n'as pas le temps de le lire. En fait, c'est juste de l'écrit pour te faire patienter, tout simplement. Et si du coup, ça me ramène là où j'étais avant, du coup, je vais pouvoir valider la quête. Alors, attendez. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais pouvoir valider la quête qu'on avait à faire. Je sais plus c'est le nom, c'est quoi le nom de la quête, mais peu importe. On s'en fiche. Rien n'avait de nom, ni les cieux, ni la terre, ni le. T'as quelque chose à me dire, ça ? Besoin de quelque chose ? Parlez-moi du lyrium rouge. J'ai l'impression que le lyrium rouge qu'on a trouvé au temple vous a contrarié. C'est mon frère, Bartman, et moi qui avons découvert le lyrium rouge lors d'une expédition dans les tréfonds. On a trouvé un ancien teg, tellement vieux qu'il avait presque pas l'air nain. Et il y avait une idole, faite de lyrium. Bartman l'a rapporté à la surface et. Ben. C'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Le lyrium normal, ça peut faire de sacrés dégâts. Mais il faut l'ingérer pour ça. Le lyrium rouge, il suffit de s'en approcher pour en ressentir les effets. Vous entendez des voix chanter. Vous devenez violent et parano, et c'est de pire en pire. Des objets se mettent à léviter, des statues prennent vie. Ça a aussi changé le chevalier capitaine de Corkwall en statue de lyrium. Depuis, tout le monde est tenu au moins 100 pas de distance. Comment le lyrium rouge s'est retrouvé dans le Saint-Temple cinéraire? Ça, je sais pas. Je croyais que le seul morceau apporté à la surface avait été détruit. Et l'emplacement du teg dont il provenait est resté secret. Est-ce que quelqu'un en aurait trouvé d'autres dans les tréfonds? Ça m'inquiète. Mais qu'est-ce que c'est? Juste un type de lyrium? Le lyrium rouge est au lyrium ce que le dragon est au lézard. Ce n'est pas juste la couleur qui est différente. C'est une vraie bizarrerie de la nature. J'ai écrit à toutes les maisons de la caste des mineurs d'Orzammar. Personne n'en avait jamais vu. Ils ne savaient d'où ça venait. Assez parlé du lyrium rouge. Je suis d'accord. C'est pas mon sujet préféré. Faut que je trouve 12 gisements de lyrium rouge. Putain, ça peut être simple, cette affaire. Mais enquête, quel est votre rôle? Comment il va aller là? Comment passer commande? J'ai les matériaux pour une commande spéciale. Est-ce que je vous donne? Apportez-les là-bas. L'un de mes gars les prendra ou il notera ce que vous avez trouvé. Ok, au revoir.
Au revoir. Que le créateur vous garde. Ouais, c'est des trucs, t'as donné l'aspect des acquisitions, quoi. Oui, bah ça en connaît en fait, à force. Merci quand même. Léliana, tiens. Bénis soient les soldats de la paix, champions de la justice. Bénis soient les vertueux, lumière des ténèbres. Dans leur sang est inscrite la volonté du Créateur. Alors c'est ça que vous attendez de nous, du sang. Que l'on meure pour accomplir votre volonté. La mort, est-ce là votre unique bénédiction? Vous parlez au nom d'Andrasté, non? Qu'est-ce que la prophétesse du Créateur en pense de tout ça? À quoi il joue? Je me suis fait agresser, en fait. Je ne parle pas pour Andrasté, je suis aussi perdu que vous, c'est la vie, à quoi il joue? En quoi c'est un jeu? Vous avez vu le ciel? Et les ruines du temple? Les eaux éparpillées dans la poussière? Que l'on soutienne ou non la paix de la divine? Ce qui s'est passé est atroce. Qui oserait dire le contraire? Toutes ces vies innocentes, des fidèles massacrés, là où se tenait la plus sainte des saintetés. Si c'est ça, la volonté du Créateur, c'est forcément un jeu ou une plaisanterie cruelle, non? Je ne parle pas pour Andraste. Je ne parle au nom de personne. Je n'ai aucune réponse à vous donner. Si ça se trouve, vous ne vénérez même pas le Créateur. C'est une chance. Il est exigeant. La chanterie nous enseigne que le Créateur nous a abandonnés. Il exige qu'on se repente pour nos péchés. Il exige tout. Nos vies, nos morts. Justinia lui a donné tout ce qu'elle avait. Et il l'a laissé mourir. Condoléances. Accablez plutôt les tueurs. Les gens vivent et meurent. Condoléances. Accablez plutôt les tueurs. Vous devriez plutôt vous en prendre à ceux qui l'ont assassiné. Si le Créateur n'intervient pas pour sauver sa meilleure servante, alors à quoi il sert? Avant, je croyais que j'étais une élue. Tout comme certains pensent que vous l'êtes. Je pensais qu'il avait de grands desseins pour moi. Je travaillais avec la divine pour aider mon prochain. Mais elle est morte à présent. Tout ça pour du vent. Servir le Créateur n'a rimé à rien. Laissez-moi vous aider. Il y a sûrement d'autres grands projets qui vous attendent. Je peux vous aider à les trouver. Non, j'assume mon fardeau. Je suis navrée que vous ayez eu à me voir dans cet état. C'était un moment de faiblesse. Ça ne se reproduira plus. Allez, au travail. On discutera plus tard. Oh, les mobilités, il y en a de certaines, je peux vous le dire, c'est quelque chose. C'est quoi ce bordel? Les vôtres ont tué sa sainteté. Mensonge. Les vôtres l'ont laissé mourir. Fermez-la, mage. Assez. Chevalier sous capitaine. Ce n'est plus mon titre. Nous ne sommes plus templiers. Nous faisons tous partie de l'Inquisition. Et qu'est-ce que cela signifie? Déjà de retour, chancelier? N'en avez-vous pas assez fait? Je suis curieux, commandant, de voir comment votre Inquisition et sa messagère vont s'y prendre pour restaurer l'ordre comme promis. C'est légitime. Allez, retournez tous à vos affaires. Bonjour, Cullen. Les mages et les templiers étaient déjà en guerre. À présent, ils s'accusent mutuellement de la mort de la divine. C'est pour cela que nous avons besoin d'une autorité compétente qui contribue à restaurer l'ordre. Qui ça? Vous? Des religieux sortis de nulle part qui n'avaient même pas l'envergure nécessaire pour être au conclave. Parce que pour vous, l'Inquisition rebelle et sa soi-disant messagère d'Andrasté conviendrait? Permettez-moi d'en douter. Pourquoi ne pas collaborer? Nous avons un bon fond, votre autorité a échoué. Pourquoi ne pas collaborer? Jusqu'à maintenant, vous êtes le seul qui maintenait que l'on ne peut collaborer. Ce ne serait pas exclu si votre Inquisition acceptait de reconnaître l'autorité de la chanterie. Elle n'aura aucune autorité tant que la nouvelle divine n'aura pas été désignée. Patience. Ce sera Andrasté, notre guide, et non pas une espèce d'ahuri descendue de sa montagne. Qui a fait la divine? Les mages et les templiers se font la guerre. Alors qu'on ignore ce qui s'est vraiment passé au Saint-Temple cinéraire. C'est exactement pour cela qu'il nous faut élire une nouvelle divine. Si vous êtes innocent, la chanterie le certifiera officiellement. Ou elle se fera un plaisir de désigner un bouc émissaire. Vous pensez que la vérité n'intéresse personne? Nous pleurons tous la disparition de Justinia. Mais vous ne pleurerez pas si la messagère d'Andrasté passe à la trappe.
européenne que fait-il ici, la guerre, Rappelez-moi pourquoi vous tolérez la présence du chancelier. Je constate que votre templier s'est resté à sa place. Il est inoffensif. Ce serait inutile d'en faire un martyr juste parce qu'il ne sait pas tenir sa langue. Quoi qu'il en soit, le chancelier est un bon indicateur de ce que l'on peut attendre à Val-Royau. En tout cas, j'espère que nous trouverons des solutions. Pas une cathédrale remplie de chanceliers. Vous parlez d'un cauchemar. C'est ça, moquez-vous. Mais je ne suis pas sûr que le créateur trouve cela à son goût. Je vais maintenir la paix ici pendant que vous et les autres ferez appel à la chanterie à Val-Royau. Un conseil, préparez-vous à répondre à des accusations qui seront légitimes. Soit. Soit. Les hommes sont nés des mains du Créateur. Le professeur Minev souhaite savoir si... Bonjour, messagère embrassée. Comment se passe votre enquête pour refermer la brèche? Celui-là est maudit par le Créateur. Fais mon mieux. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Une tâche comme celle de refermer la brèche est un lourd fardeau. J'espère que vous ne le portez pas seul. Nous nous souvenons d'Andraste, mais elle n'a pas porté le cantique de la lumière toute seule. Elle avait des généraux, des conseillers, et même son mari, pendant un moment. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Mais n'oubliez pas ceux qui sont prêts à vous aider. Cette comparaison effraie. Vous parlez toujours comme si j'étais l'égal d'Andraste. Vous savez à quel point c'est perturbant. Je peux seulement l'imaginer. Mais nous devons tous servir le rôle que le Créateur nous attribue. L'épée ne demande pas à être forgée. Et franchement, si une telle comparaison vous fait hésiter, je ne vois pas cela d'un mauvais œil. En tout cas, je prie pour que cette inquisition se montre moins violente que la précédente. Est-ce que vous savez qui les grandes prêtresses vont choisir pour être la prochaine divine? C'est une décision difficile à prendre. Toutes les candidates évidentes ont péri au conclave avec la divine Justine. Les grandes prêtresses ont une peur bleue de l'Inquisition. Quand enfin elles prendront leur décision, j'ai bien peur que ce ne soit pas la bonne. Celle qui sera choisie aura besoin du soutien de l'Inquisition. Personne d'autre ne semble capable de refermer la brèche. Je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour vous ou les autres? Mes guérisseurs auraient besoin de matériel. Il y a tellement de blessés qu'il nous manque même les fournitures les plus élémentaires. Pourriez-vous remettre cette liste et les objets indiqués à Trène, l'intendante? Elle pourra nous fournir ce dont nous avons besoin. Cela peut paraître insignifiant, mais cela permettrait à mes guérisseurs de sauver beaucoup de vies. Et on rajoute une quête. Convoquer ce conseil de guerre. Vous avez désormais accès aux missions. Les missions prennent du temps, mais rapportent ressources et récompenses à l'Inquisition. Un conseiller ne peut avoir qu'une seule mission active à la fois. Certaines missions sont d'une nature spécifique et elles prendront moins de temps si elles sont exécutées par le conseiller correspondant. Les missions peuvent aussi rapporter différentes récompenses selon le conseiller qui les exécute. Ok. Alors, force entraînée pour acquérir une endurance digne d'un soldat. Affûter son regard et son esprit inquisiteur. Se former au noble art de la persuasion. Améliorer la coordination et l'infrastructure. Avez-vous eu des soucis avec eux? Force. Aucun. Je vous tiendrai informé si ça... Connaissance de la pègre. Méthode massage. Une étude détaillée des coutumes de la pègre et de leur application brutale mais pratique. Ouvre de nouveaux choix de dialogue liés aux activités criminelles. Plus 50% de points d'expérience pour chaque entrée du codex déverrouillé. Alors, une méthodologie développée par le maître... ouais, 5%. Moi, je vais prendre ça. Ouais, je peux en faire qu'une par une. Je regarde quand même, mais tout est verrouillé autrement. Ok...
traversé la chancellerie de Aval Royaux. Les dernières prêtresses de la chancellerie ont déclaré l'accusation hérédique. Nos tentatives d'alliance pour contrer la brèche ont été repoussées et pour le moment, il est impossible de mettre un pied à la capitale sans me faire attaquer par la foule ou arrêter. Nous devons convaincre la chancellerie de nous laisser entrer dans la ville afin de leur prouver que la messagère d'Andraste n'est pas le monstre qu'ils s'imaginent. Il est recommandé de 4 à 7. Ok, et là c'est quoi? Le hall rouge disponible. L'ampleur et la menace est telle que l'ambition reçoit des offres. Ok. Ok, ok, ok. C'est Sir Lyanna. Les éclats que la messagère Andraste a récupérés sont rien à ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Bien qu'ils soient anciens, on n'a retrouvé que très peu ce jour. La broche n'est pas solide. Ouais. Ok. Point d'humeur à 3. Contact. Merde, je suis partie là-bas en fait. Non, c'est bon. Sir Lyanna, donc voilà, nouvelle zone déverrouillée. Accepter le rapport. Rassemble votre groupe, partir vers l'oasis interdite. Ah non, non, bah non. Non, c'est pas ça que je veux faire. Rien à voir. Rien à voir, rien à voir. J'essaie de comprendre. Hein. J'essaie de comprendre parce que je comprends pas trop de choses. Gagner de l'argent, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que les forces de gestion pourraient compter sur les coffres, les remplir, je vois très bien. Tout à l'heure, j'avais une tour. J'ai essayé les tours de guerre, on va faire ça. Parce que ça, on connaît. Donc, c'est soit avec Joséphine, il y a des nobles auprès des golfeurs qui seraient ravis d'aider l'acquisition si nous faisions une proposition. Érigeront ces tours en un rien de temps. Ah, vas-y, je partage Joséphine. Commençons. Ok. Elle est pas toute seule comme une grande fille. D'accord, en fait, j'ai juste à les envoyer, en fait. C'est ça le truc. Hein. Nous avons reçu une proposition d'aide et je suis perplexe, mais je demande à voir. Ce n'est pas la première promesse étrange que nous recevons et certainement pas la dernière. Une plume élégante écrit. L'Inquisition a des besoins que nous pouvons satisfaire. Nous avons en notre possession une monture des plus nobles qui, après avoir succombé au combat contre la fureur, a été ramenée à la vie par son besoin insectible de servir à une cause digne et un noble maître. Prouvez ce que vos disciples savent déjà, que votre influence dépasse les frontières de ce royaume, que même les forces des matériels sont vos alliés et que la mort n'est pas un obstacle à la victoire. Ouais, si, ça me plaît bien ça. Hop. Du coup, je vais demander à. Je verrai discrètement ce que rien ne vienne perturber l'arrivée. Les soldats s'assureront que la créature arrive en toute sécurité. Peut-être plus ça. D'accord. Ok. Et du coup, là c'est quoi? Sauver et soit disparu à Falco. C'est la question disparu dans les confins en région, comme la région est une grande partie. Ok. Ok. Bah vas-y ma couille. Passons le coup, pas ça. Donc là, je parle avec Sola, ce qu'elle s'en va vers lui. Bien. Oh, hein, fille de putain, tiens, voilà. Confirmé. J'ai pas tout maîtrisé, mais bon, je crois que j'ai quand même compris le principal. Donc là, il nous explique qui c'est Cassandra. Donc je vais descendre vite fait comme ça. Si vous voulez lire, au moins, il n'y aura pas de problème. Ok. Voilà, je vais faire comme tout à l'heure, essayer de vous lire et puis ça coupe un peu mieux, c'est ridicule. Donc du coup, en fait, j'ai compris la quête que j'avais à faire.
enfin, à finir du moins à cet endroit-là, j'ai dû la finir. Ou du moins, ça va se finir dans une heure quand, quand Joséphine aura fini. Je pense. Hein. Si j'arrive bien à suivre le système, je comprends. Quel soulagement de vous voir. Vous allez peut-être pouvoir nous aider. Nos patrouilles disparues ont été prises en otage par des Alvars, les barbares des montagnes. Que font-ils dans une tourbière? C'est leur chef. Il les a envoyés vous combattre, parce que vous êtes la messagère d'Andraste. Il va le regretter! J'ai survécu à des démons. Je dois pouvoir calmer quelques barbares sudistes. Ils sont plus costauds qu'ils en ont l'air. Ça ne va pas être facile d'atteindre nos troupes. Il faudra se tailler un chemin parmi les morts-vivants. Attendez, vous n'avez pas peur des morts-vivants, si? Loin de là. Ce ne sont que des cadavres possédés par des esprits. Exactement. Rien de bien méchant. Les Alvars sont dans le château qui se trouve de l'autre côté du bourbier délaissé. Espérons que nos camarades soient toujours en vie. D'accord, donc ça donne des missions, puis entre guillemets, en plus, quoi. Ok, d'accord, ok, c'est cool. Pourquoi pas, officier. Du nouveau pour vous. Rapport. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pourrait valoir le coup. Ok. Attendez, est-ce que là je suis où, en fait? Est-ce que là je suis... D'accord, en fait, donc je suis reparti complètement dans notre ville, en fait. Je suis parti où ? Le bourbier délaissé, d'accord. Donc, le bourbier délaissé, âme perdue, localiser l'avant-poste Alvar. Phase du matériel fermé, contrôle du bourbier et ok. Donc bah du coup voilà, bah, bon, moi je pensais pas partir. Mais du coup ce que je veux voir, attendez, hop. Donc du coup ça je vais l'enlever. Voilà, c'est celle-là que je devais fermer. T'avais une mission tour de guet dans les fermes avec ta tâche, genre. Bon bah j'ai pas pu la finir malheureusement. Donc ça, hop. Tac. Bon bah écoutez les amis, moi je vais vous laisser là. Comme ça, bon, on a changé de région, chose que je ne m'attendais pas du tout. Franchement, je ne m'attendais pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, hein, écoutez. On va changer de temps en temps de toute manière. Mais je sais pas c'est quoi qui est rouge. Moi je voulais à la base juste comprendre et puis faire de nouvelles choses, mais bon, c'est pas grave. Donc bah, je vous laisse là gamers, en espérant que vous avez passé une bonne vidéo et bah, que ce gameplay vous plaît toujours autant. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à me dire ce que vous pensez et me donner des conseils peut-être sur des choses que j'ai loupées, sur des choses que j'aurais dû faire, enfin peu importe. Voilà, n'hésitez pas à un petit j'aime et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, en espérant avoir plus d'abonnés grâce à ce nouveau gameplay, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Allez, à bientôt les gars.